Hello les parents, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et c'est une vidéo que je fais chaque année. Donc j'espère que vous savez, c'est la FAQ sur YouTube. Donc oui, ça fait déjà 3 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé en octobre 2020. Et donc là, on est en octobre 2023. Ça fait déjà 3 ans. Dommage, je vais le faire début octobre parce que c'était là, c'était le 5 que j'ai commencé. Et là, on est le 19. Oups. Mais il y a eu d'autres trucs entre temps. Donc voilà, c'est la vidéo annuelle que je fais chaque année. Le but d'être annuel. Mais voilà, je devais le faire pour vous parler des avancées, des projets futurs. Plein d'autres trucs qui se sont passés quoi. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'acheter un gros pouce bleu, de vous abonner sur l'Instagram. Ah, il y a ça, let's go. Quel projet t'as prévu pour ta chaîne? On commence gros. Bah écoutez, j'ai un gros projet que je ne parlerai pas parce que je crois beaucoup à l'œil, etc. Des gens sont jaloux, malveillants. Mais c'est un projet qui se passera en septembre, qui va durer 3 mois. C'est pas un projet directement que pour YouTube, c'est aussi moi pour ma vie que j'ai toujours voulu faire. Mais ça consiste en un voyage qui dure 3 mois. Je dirai pas plus, vous en saurez quand ça se passera. Et voilà, mais sinon, à part faire les vidéos YouTube, de continuer maintenant de... Je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais je le fais maintenant. Je poste vraiment tous les 6 jours, je poste une photo et puis tous les 6 jours un reel et ainsi de suite. J'ai commencé les lives, donc n'hésitez pas, Little Venom. Je vais changer le nom, hein, vous inquiétez pas, mais voilà. Donc je fais vraiment tous les dimanches. C'est plutôt en soirée. L'heure, c'est pas précis, ça dépend. Quand je fais des jeux, par exemple, avec une histoire, ben je fais plusieurs jours, un peu comme Squeezie. Mais donc des projets comme j'avais eu en juillet là avec les community managers, pros, etc. On n'est pas encore de prévu parce que faut pas oublier qu'ils ont aussi les gens de leur côté, ben leurs projets à eux, etc. Mais pour l'instant, pas de projet spécifique. J'ai un concept que je suis en train de faire, mais que où je visite différentes expos. Je sais pas si j'en avais déjà parlé, mais ça c'est en cours de route. Voilà, et il faut des gens aussi. Et comme moi, je suis, on va dire parmi mon groupe d'amis, le seul à ne plus avoir cours. Bah, c'est compliqué d'avoir du temps pour pouvoir faire ci, faire ça avec des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc on va faire en grosso modo tout ça, mais pas de gros projets à part celui que je vous ai dit au début. Ça te dérangerait d'être reconnu et arrêté dans la rue pour discuter avec toi? Moi, je kiffe. En fait, moi, j'adore parler. Je parle trop. J'ai toujours aimé parler. Donc moi, je sais pas être reconnu. Je ne peux pas le dire parce que je ne suis pas reconnu. Donc non, je ne pourrais pas le dire. Je ne sais pas. Moi, je pense, ça me dérangerait pas. Par contre, pareil, moi, j'aimerais trop. Moi, j'aimerais trop discuter avec les gens et tout. Bien sûr, des gens bienveillants, pas des gens bolos. De toute façon, les gens, ils assument jamais quand c'est en face. Mais j'aimerais trop discuter avec les gens. J'aimerais trop. Donc moi, je pense, ça ne me dérangerait pas. Que fais-tu en dehors de YouTube? Tes passions? Tes sports? Ben sport, j'ai repris là à faire clairement la salle, hein, musculation, etc. Cardio aussi. J'ai pas de sport spécifique, même si j'adore la natation, mais j'aime pas les piscines publiques. C'est... Non, je n'aime pas. Je ne suis pas riche pour avoir une piscine chez moi, surtout que je suis dans un appartement, je n'ai pas d'endroit. Mais je n'aime pas les piscines publiques, je n'aime plus. Je suis devenu hypochondriaque depuis le Covid, donc trop de germes, trop de trucs, donc je ne peux pas, même si voilà, j'aime beaucoup. Mes passions, moi j'adore les jeux vidéo, mais maintenant je fais des lives et je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ça bien plus tôt. J'ai toujours joué depuis que je suis petit. Imagine, j'avais commencé la Twitch à l'époque. Bon, Twitch n'existait pas encore, mais ce serait magnifique. Genre, j'adore les jeux vidéo, j'adore filmer du contenu, j'adore maintenant en plus, surtout parce que moi, la partie montage des vidéos, c'est ce que j'aime le moins parce que je suis pas assez créatif pour filmer. En plus, je n'ai pas les logiciels de montage pour ça, coûte trop cher sur Mac et tout. Voilà, je fais avec iMovie tout le temps. Par contre, faire des reels, j'adore, etc. Ah, vraiment, je kiffe. Donc, vraiment, je commence de plus en plus à kiffer, encore plus que ce que je kiffais avant. Donc voilà, et j'aime trop sortir avec mes amis, faire ce genre de choses, quoi. Donc vraiment ça c'est un peu mes passions. Et en dehors de YouTube, ben, pour l'instant je fais ça. Ben, là je suis en job étudiant chez Pizza Hut, pour ceux qui le savent, qui suivent mes stories, etc. Et voilà, pour gagner de l'argent pour faire le projet plus tard, etc. Pour l'instant c'est ça que je fais. Après tout dépend si quelque chose viendra. Bon, si vous voyez là que j'ai de l'isobétadine, c'est parce que je dors avec mes boucles d'oreilles comme un bête, parce que j'ai trop peur que mes oreilles se ferment, parce que j'ai l'impression que ces boucles d'oreilles, je suis allergique, mais mon oreille s'habitue. Mais donc voilà. Et quand je dors, ben ça écrase et donc ça fait après que ça saigne et tout. Puis j'ai du pu, ça me dégoûte. Bref, donc j'ai été désinfecté et je les remettrai ce soir avant d'aller travailler pour pas... Voilà. Enfin bref. Donc, dans tes débuts, tu disais que tu es donc en école pour être technologue de laboratoire. Est-ce que c'est toujours le cas et tout? Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que non. J'ai été diplômé. Je ressors vraiment officiellement mon diplôme en novembre. Voilà, je ne suis plus aux études. C'est fini. C'était très bien. Mais j'ai assez donné pour l'instant. J'ai besoin vraiment de pause. Je sais que j'allais pas avoir la force de continuer après un master. Je vois mes amis en plus là. Bon, elles font pas le master que je voulais, mais je vois comment c'est galère, etc. Et ils sont déjà au bout de leur vie alors qu'on est à peine en octobre, donc ça fait 1 mois qu'ils sont à l'école. Donc non, ça ne m'intéresse pas du tout pour l'instant. Et là, on me parle, mais ça, je vais pas y revenir, mais où as-tu fait ton stage? Enfin, moi, mes stages, j'en ai eu 4. Mais ça, j'ai une vidéo entière, enfin, 2 vidéos entières où je vous parle vraiment des stages, donc ça, vous pouvez aller voir. Donc, expérience bonne et moins bonne. Voilà.
Donc, quel a été pour toi l'élément déclencheur qui a fait qu'aujourd'hui tu es présent sur YouTube? L'élément déclencheur, c'est que j'ai changé. Ma personnalité des secondaires n'aurait jamais fait. Ça a aussi été le Covid. C'est pour ça que j'ai dit que moi le Covid a été bénéfique, parce que je me suis dit, bah en fait, on va me lancer. J'aurais dû me lancer pendant le Covid même, mais j'avais pas encore ce mental. J'étais encore, oui, il fallait l'école et tout. Alors qu'après, avec les résultats que j'ai eu ma première année, j'aurais dû dire, regarde, dû faire YouTube. Ça m'aurait peut-être apporté plus de choses que ce que j'ai fait, parce que j'ai quand même raté ma première. Et après, bah voilà. J'ai fait YouTube en fait, vraiment quand c'était la fin du Covid, dans le sens fin du premier confinement, du vrai confinement, on va dire. On était tous à la maison pendant je sais pas combien de mois. Et en fait, ça a été en fait de me lancer parce que j'avais une année beaucoup plus chère, parce que j'ai raté, mais j'ai quand même réussi beaucoup de crédits. Et donc, j'avais presque rien. Et je me suis dit, bon, go me lancer. Et je me suis lancé. Et voilà. Donc, j'ai pas eu vraiment de oh, c'est vraiment le moment. Voilà, j'ai moins de cours, donc go me lancer. J'ai plus de. J'ai la force maintenant de me lancer, de ne plus avoir peur du regard des autres ni rien. Et voilà, ça a été l'élément. On va dire peut-être. Et je conseille à tout le monde, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. N'attendez pas, faites pas attention au regard des gens. Je sais que peut-être en secondaire c'est plus compliqué parce que là on est toujours en classe, etc. Mais alors quand vous êtes à l'UNIF et tout, vous êtes pas, c'est pas des classes, c'est pas, vous êtes pas avec des groupes que vous allez voir tout le temps, toujours les mêmes. Non. Donc c'est différent. Mais j'aurais voulu commencer plus tôt. J'ai plein de regrets hein, parce que si je commence avec les regrets. Oh! Je vais jamais terminer cette vidéo. Bien le nom de ma chaîne. Bah écoute, ce nom va bientôt changer. Parce que tout début de ma chaîne, bah, c'était compliqué de trouver un nom. J'ai dit Just Fab. Je me suis dit, oh trop bien, le Just. En plus, il y en a plein, ils ont ce Just Riyad et d'autres. Et Just Fab. Sauf que j'avais pas remarqué qu'il y avait déjà un truc qui s'appelle Just Fab, c'était le truc des chaussures. Chaque fois, on me dit, ouais, mais chaque fois qu'on essaie de te trouver, on passe d'abord par les chaussures avant toi. Un peu chiant. Et donc, ça fait 3 ans que je l'ai. Sauf que j'ai décidé de changer. Sur un, ça, c'est déjà changé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, je vais m'appeler Fabibi. Parce que je trouve que c'est un nom qui tape. Un nom qu'on peut retenir. Et en plus de ça, maintenant c'est plus l'époque où il faut changer les noms comme Squeezie, etc. C'est une époque où maintenant les gens, pardon, donnent leur vrai nom ou alors une partie de leur nom et avec un petit truc. Et moi je vais garder ça. Ben en fait, la seule différence c'est qu'il me manque le O dans Fabibi, mais c'est Fabio. Donc tout simplement, j'ai simplement majorité Fabibi parce qu'on m'a appelé à l'école Fabibi et au début on m'appelait Fabich en primaire, secondaire, plein de noms en fait. Et je me suis dit, ben Just Fab parce que je voulais garder les Fabrands et tout. Et là pour changer, je me suis dit, ben il faut que je garde les Fabrands, c'est dans mon truc. Mon intro, le nom que je vous donne, je veux garder Fabrand, je veux garder mon intro, mon outro, donc je dois trouver un nom avec ça. Et donc j'ai trouvé Fabibi, je me suis dit, bah, c'est bon, ça va être ça. Et donc sur Twitch, je vais le changer après. Je vais le changer. En fait, quand je pourrais changer sur Twitch, je changerai sur TikTok aussi. Et après, bah, sur YouTube, il faut que je fasse la bannière, etc. Et donc YouTube sera le dernier où je vais changer parce que c'est le plus compliqué, on va dire, à changer parce qu'il faut. Voilà. Mais c'est tout. Et donc mon nom, en fait, venait simplement d'une idée que j'avais, que je voulais. Sauf que pour finir, ça va changer. Mais donc ça va être l'autre nom après. Comment tu nous considères, nous, tes abonnés? Oh, mais je vous adore, Mehdi. En fait, non, clairement, je vous adore. En plus, on est de plus en plus, ça fait trop plaisir. Et je vais pas vous cacher, c'est grâce aux shorts. C'est pas grâce aux grosses vidéos. Parce que vraiment, depuis l'arrivée de TikTok, maintenant les gens ont moins envie de regarder des grosses vidéos. Encore moi, c'est même pas des grosses vidéos. Mais c'est grâce aux shorts. Et en plus, les vidéos shorts, bah, fonctionnent bien majoritairement. Et donc, je fais qu'avoir des nouveaux abonnés. Donc, vraiment, bah, bienvenue au nouveau. Et je vous kiffe. On est bientôt à 1K d'abonnés. Parce que je suis à 700 et quelques, 709, je pense. Donc, ça fait trop plaisir. J'ai commencé à poster des shorts depuis mai. On est en octobre. J'en ai gagné au moins 400 et quelques, donc ça me fait trop plaisir vraiment. Donc je vous kiffe en fait, c'est une aventure que je fais avec vous, parce que sans vous, ben, il y aurait pas tout ça. Cœur sur vous les amis, cœur sur vous les Fabrands. Et vous savoir, le truc c'est que les Fabrands, même ceux de ma famille qui me connaissent, ils maintenant ils rigolent avec moi sur ça, les Fabrands tout, mais vous voyez comment ça reste en tête, ça veut dire que j'ai trouvé un bon truc. Donc je suis content. Quel serait ton plus grand rêve sur YouTube? Ouf, je sais pas, bah oui, peut-être ça avance, que j'ai des gros projets, que je fasse des vidéos avec des grands youtubeurs. Et même plus tard, j'aimerais trop faire de l'acting, mais c'est compliqué parce qu'il faut rentrer dans une école. C'est plus comme à l'époque. Mais le projet que je vais faire là en septembre, c'est un peu en lien avec ça. Je vais pas aller pour ça, mais je vais essayer de faire des contacts. Enfin bref. Et donc oui, j'aimerais bien, mais ça c'est des trucs. C'est un rêve encore. Je ne peux pas le considérer autrement. C'est un rêve. C'est loin d'arriver ou peut-être jamais. Ça dépend du dessin, tout simplement. J'aimerais bien faire des grosses vidéos avec des prods et tout, mais bon, on va faire baby step by baby step. Donc en tout cas, c'est pas pour l'instant. Combien de temps à travailler sur une vidéo? Ça dépend. Les vidéos les plus longues à travailler, c'est par exemple les Omegle, où en fait j'enregistre l'écran, etc., avec le son de la personne, le mien, mais après j'ai la caméra pour vous parler, pour ceux qui ont déjà vu, etc. Et donc lorsque j'ai une caméra et le PC, ça veut dire que j'ai deux trucs différents à rusher que je dois mettre en même temps, et donc je dois bien, ça doit bien être ensemble pour pas que ce soit décalé, après retrouver, voilà, etc. Donc ça c'est les plus longues à travailler, et ça dépend parce que je ne pourrais pas vous dire plus ou moins combien de temps, parce que je ne fais pas en un jour une vidéo, je le fais sur plusieurs jours parce que j'ai envie moi de au lieu de faire, je sais pas moi, 6 heures d'affilée de vidéo,
j'ai envie de faire simplement, imaginons, 30 minutes par jour. Ça me convient mieux que de faire tout d'un coup, parce que la tête. Surtout que maintenant j'ai des journées où je vais travailler, donc si je passe faire du montage puis travailler, ça va être des journées trop longues et non, j'ai envie de faire plein de choses en fait dans une journée, pas que faire un truc. Je vais pas rendre une vidéo pour une telle date, etc. Enfin, vous voyez, c'est pour dimanche, mais j'ai toute la semaine. Ben voilà, mais donc allez, ça dépend. Tout dépend. Je ne pourrais pas vous dire vraiment une heure exacte, un temps exact. Donc, je termine avec la dernière question et une question très importante que je me suis toujours dit. Y a-t-il quelqu'un de ton entourage qui t'a motivé à faire des vidéos sur YouTube? Absolument personne. Pour mes amis ou les personnes qui vont voir ces vidéos, c'est un truc que j'ai toujours dit dans ma tête, c'est que si un jour quelque chose arrive avec YouTube, ce sera que mon travail et personne d'autre, parce que mon entourage, en fait, en mode ils sont là avec moi mais ils me le disent jamais dans leur tête ou quoi, ou alors ils s'en foutent complètement parce que je n'ai jamais de mots par rapport à ça. Enfin, après moi j'ai pas parlé de YouTube et tout, enfin quand j'ai mon entourage pour parler d'autre chose, mais j'ai pas de mots encouragement, ouais continue, c'est bien, lâche rien. J'ai pas un entourage aussi qui est dans ce milieu là parce que il y a plein de vidéos que j'aurais voulu faire avec des gens, faire des photos, mais quand je suis avec mes amis j'ai l'impression que c'est gênant pour eux de le faire. Je demande pas par exemple de faire des photos, il y a que avec certaines personnes, oui, parce que voilà, je dis ce jour là j'aimerais bien qu'on fasse ça, on se voit, mais en même temps on fait ça, mais pas en mode naturellement. Par exemple je fais pas de story avec eux parce que je sais pas s'ils voudront l'être, parce qu'ils veulent pas passer, et donc c'est voilà, c'est chacun droit à l'image. Si tu veux pas apparaître, tu n'apparaîtras pas. Mais c'est vrai que j'ai un entourage compliqué pour ça, ce qui fait que je peux pas faire plein de vidéos que j'aurais voulu faire. Il y a plein de vidéos que je peux faire sans avoir un budget énorme, mais que je ne peux pas parce que je n'ai personne. Des fois je me demande si on m'encourage vraiment. Dans ma tête je me trompe, peut-être mes amis me parleront demain, ouais non tu te trompes, je sais pas quoi, mais j'ai pas l'impression qu'on m'encourage. Oui, en fait on m'encourage pas. Moi c'est depuis YouTube, ça fait 3 ans que je le fais, c'est seul. Oui, j'ai eu des gens qui sont venus sur ma chaîne, voilà, et on va dire quand même la première personne, pour ceux qui les OG, ceux qui ont vu Rebecca, ben, elle m'a aidé au tout début. C'est pas en mode, pas encouragé tout, elle m'a aidé simplement à les débuts pour me lancer, etc. Mais j'allais le faire, mais elle m'a aidé. Et maintenant Candice, la community manager, qui m'a aidé pour m'améliorer en termes de création, genre au niveau surtout du téléphone, etc. Et pour la vidéo YouTube que j'ai fait avec elle, interview, etc. Cette manière de faire les choses, j'ai bien aimé. Elle m'a aidé beaucoup et je garde maintenant cette vidéo comme référence pour si je fais des autres interviews, de faire un peu de montage. Essayer de rajouter un peu plus d'effets sur mes vidéos, sans que ce soit trop non plus, mais de rajouter. Mais donc elles m'ont aidé dans ce sens-là. Mais encouragement, vraiment, non, il n'y a que moi. Et si un jour il y a quelque chose, comme j'ai dit, ce sera que de mon travail et rien d'autre. Et personne ne pourra dire, ouais, j'ai apporté tel truc. Non, personne. Des fois, je me demande si vraiment les gens sont contents que je fasse ça, parce que j'ai beaucoup de. Ouais, il n'y a pas d'encouragement, il y a beaucoup de critiques. Ouais, mais moi j'aurais fait ça à ta place. Ouais, mais j'aurais fait ci à ta place. Ouais, mais moi ça. Mais c'est pas ça que j'ai besoin. Moi, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux de ma chaîne. J'aimerais bien qu'on m'encourage et qu'on soit derrière moi et que je sente qu'on est fier de ce que je fais. Et bah, j'ai l'impression que des fois, pas du tout. Ou alors, des fois, les gens s'en foutent. Donc, ça forge plus ta carapace de dire, bah, ok, mais si un jour il y a quelque chose, comme je dis, ce sera mon travail. Donc, faudra pas venir après. Parce que ça, moi, c'est bye bye. Moi, je balaye. C'est fini là. Moi, s'il y a des gens qui reviennent alors qu'ils ont jamais, ils sont jamais revenus tout, moi, c'est bye quoi. C'est toujours un truc que j'ai dit. Mais pour n'importe quoi, hein. Pas que pour YouTube, pour la vie et tout. Les gens qui reviennent alors, parce que tu vois que tu es bien dans ta vie, que c'est bon, tu prospères bien. Jamais venu avant, pourquoi maintenant? coup de pied au cul, hein. Moi je vous dis. Voilà, et même mes amis proches, hein, je leur ai jamais dit parce que, bah, comme j'ai dit, je parle pas du YouTube. Quand je les vois, c'est pour parler et tout. Mais s'ils voient ça, comme ça, ils savent que j'ai pas l'impression d'être soutenu beaucoup là-dessus. Mais après, voilà. Peut-être ils me soutiennent, mais ils le disent jamais, ce qui est possible. Oui, non, motivé, il y a personne de mon entourage qui m'a motivé et qui ne me motive toujours pas. C'est moi qui me motive tout seul, qui me lève le matin et dit, ouais, je fais des vidéos, ouais, je vais créer du contenu. Comme les Twitch, les live Twitch, j'ai dit que je voulais le commencer, etc. J'ai eu du mal à lancer parce que j'ai pas de PC gamer, j'en ai eu un. Et là, je me lance et c'est moi qui me suis lancé tout seul. Au début, mes cousins m'avaient dit, ouais, viens, on va faire aussi avec, on va se lancer aussi. Mais depuis, ils disent ça, ils l'ont jamais fait. Et moi, je l'ai fait bien avant eux. Alors que moi, de base, c'était pas mon objectif. J'avais dit au tout début de ma chaîne que je ne ferais pas de vidéo jeux vidéo parce que je voulais que ça reste une passion. Mais en fait, je me suis dit, bah, je peux faire les deux quoi. Comme YouTube, en fait, je travaille en même temps, c'est un truc que je kiffe. Mais bon, la vie est comme ça et je peux pas faire autrement, pas changer les personnes. Et j'espère que vous avez kiffé. J'ai eu des bonnes questions. N'hésitez pas à poser d'autres questions, je répondrai avec plaisir dans les commentaires comme d'habitude. Et voilà, prochaine FAQ l'année prochaine pour mes 4 ans sur YouTube. D'ici là, on sera beaucoup plus. Et cette vidéo-là, je la ferai normalement quand je serai à l'étranger, si tout se passe bien. Donc là, dans un autre cadre, dans une autre ambiance, je me le souhaite en tout cas. Et vraiment, un petit conseil, lancez-vous dans tout, dans vos rêves et tout. J'ai commencé à poster des vidéos de chant sur TikTok, de base j'étais pas à l'aise. Pas beaucoup, j'en poste quelques-unes tous les X temps, avec deux pour l'instant. L'acting, j'aimerais bien. Enfin, lancez-vous dans les trucs, n'ayez pas peur des gens en fait. On n'a qu'une vie sur Terre. Si on commence à trop réfléchir, c'est mort. La vie, elle passe trop vite. Donc vraiment, lancez-vous. Et bref, en tout cas, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, TikTok et Twitch. Mais donc sur JustFab et Twitch, Little Venom. Et n'oubliez pas, les Fabrands, don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye.